Nous sommes dans un groupe où il y a le Nigeria, il y a la Sierra Leone, il y a le Lesotho. Je dirais que c'est ce que la nature nous a choisi. Nous devons travailler. Travailler pour mériter la confiance et donner la joie à notre peuple. C'est un groupe qui est prenable, mais il n'y a pas de petit pays. C'est le travail bien fait et une organisation parfaite qui peut nous amener à donner la joie à notre peuple. En tant que président de la Fédération béninoise de football, je verrai avec mon comité, dès mon arrivée à Cotonou, je ferai rapidement une réunion pour décider d'un appel d'offres pour le recrutement du directeur national technique afin d'aider le sélectionneur national à opérer les bons choix pour nos matchs. On ne peut pas dire que tout est parfait. Il faut travailler, il faut être organisé. Il y aura un directeur technique qu'on appelle dans notre jargon TTN qui sera à la tâche de notre équipe et qui va essayer de parcourir tout le territoire national parce que le Bénin regorge encore des élites, regorge encore des beaux joueurs. Nous devons avoir une base solide et être fiers de notre équipe. Nous ne voulons plus entendre parler de surprise. Je n'aime pas le mot surprise. Je veux que réellement nous ayons une équipe avec des joueurs valables. Et c'est pourquoi le recrutement du directeur technique national est obligatoire si nous voulons rester dans le temps.